quand même le dire, Brioukvin, un but et deux assists. Mais là, il marque. C'est 1-0 pour la Russie après 18 minutes et 13 secondes en supériorité numérique. Bader va pouvoir... Et les 4 Suisses sur le même côté. Bien joué de Tolchinski qui feinte. Plus intéressant pour les hommes de Patrick Fischer. Il a pris un tir dévié. On va tourner, contourner la cage et goal. C'est l'égalisation. Cette récupération de puck un petit peu inattendue de Fazzini. Non, c'est le coup. S'avancer. Être très bien placé pour le contournement de cage. Et le gardien Tarasov qui ne peut que constater les dégâts. L'équipe de Suisse n'aura mis qu'une minute et 36 secondes. Et en train de s'échapper là, sont trois les Russes. Et c'est but, un but très très joliment amené avec cette passe de Tsiplakov. 8 minutes 11. Ah, qui est-ce qui s'est compromis du côté helvétique? C'est Kreis. C'est Kreis qui s'est compromis là. Il n'y avait plus grand chose à faire pour le dernier défenseur. Extrêmement compliqué à suivre. Moy qui a réussi à reprendre le puck. Moy qui va affronter et marquer. Oh, quel but! Quel but pour Tyler Moy! Waouh! Eh bien, il avait déjà été. Fournier est au rendez-vous. Il a gagné son duel. Qui a sur ses patins. Et il surprend Tarasov. Alors qu'on était dans une phase de domination russe depuis 1 minute et 25 secondes. Egli, Moy. Bertha Jaigol, la Suisse qui mène pour la première fois à 13 minutes 38 de la sirène. Alors que Rod et Volkov étaient en train de sortir du banc. Les supports, l'équipe de Suisse. Il doit d'ailleurs beaucoup aimer l'équipe de Suisse. Alessio Bertaggia. Et là, on a pu le décaler. On a su faire avec Bertaggia de ce côté-là, ce qui n'avait pu être fait avec l'autre Luganais, Fazzini. Oh, c'est très superbe ça! Le puck qui va au fond, c'est 3 à 3. La Suisse n'a encore rien gagné, ça c'est une certitude. On rappelle qu'il faut gagner dans le temps réglementaire. Il reste 3 minutes exactement. C'est... Déjà 3 buts depuis le début de la compétition. Soutard qui marque. La Suisse prend les devants, met un peu de pression sur la Russie. Et puis Soutard, comme Noah Rod était annoncé comme les deux leaders pour tirer l'équipe en avant. Non, c'est Simeone. C'est Simeone et pas le Colt. Simeone qui tire à côté. La Russie n'est qu'à un pénalty de la victoire dans ce dernier match. C'est l'homme qui sort du banc. Il doit être Kodola, si je l'ai bien identifié. Oui, c'est ça. Si celui-ci marque, c'est terminé. Kodola face à Niffler. Et but! Eh bien, la Russie l'emporte. La Suisse n'a plus son destin en main pour remporter la Deutschland Cup. Le gardien Niffler avait réussi à faire échouer les Russes lors des...